Coucou tout le monde, ça fait bien longtemps que vous avez plus vu Good en vidéo. Alors comme vous allez le voir sur cette vidéo, elle est assez boiteuse. Donc là, c'est la séance de la semaine dernière en fait que je vous montre. Enfin la séance, c'est un bien grand mot. On a marché principalement. Et ensuite, vous allez voir la séance de ce mercredi-là. Donc en fait, là, dans les 5 minutes de vidéo, vous allez voir deux séances. C'est à ce moment-là qu'on a vu qu'elle boitait vraiment beaucoup et qu'elle ne faisait pas semblant. Donc Mallory l'a rasée, afin qu'on puisse voir le gonflement, son évolution. Lui mettre de la pommade, de l'arnica, et ensuite lui mettre les bandes. Et nous voici donc à la séance de ce mercredi. Donc là, petite détente au galop. Vous verrez que mes pieds ne sont pas du tout stables. Mais vraiment pas du tout. Alors c'est parce que j'ai eu pas mal de problèmes aux pieds. Donc déjà, ma blessure de mon accident de voiture qui est ressortie sur le pied gauche. Et la semaine dernière, je me suis planté une boucle d'oreille dans le pied droit qui s'est infecté. Donc voilà mes magnifiques pieds, je n'arrive pas du tout à pousser sur les talons en fait, à me mettre en équilibre. Là, on cherchait vraiment le contact afin de pouvoir maîtriser les barres au sol et l'équilibre. Bon, toujours avec ma position un peu pourrie, mais elle baisse un peu la tête, c'est le principal. En plus, pour une fois qu'elle, elle était vraiment bien et qu'elle ne boitait plus du tout, eh ben, c'est moi qui boitais. Et là, on vient au galop dès demain. Là, elle était vraiment très bien et très bien posée. Bon équilibre. Alors voilà, moi qui perds toujours mes étriers, ça c'est vraiment un problème, mais vraiment hors sujet à mes douleurs. C'est vraiment un problème à part, je sais pas pourquoi. J'ai acheté des étriers il y a pas longtemps, et en fait, au lieu de me baisser le talon, ça me les remonte. Alors les deux premières séances c'était nickel, ça me les baissait super bien, et les séances d'après, bah nul. Et du coup, j'aimerais vraiment savoir pourquoi. Si vous avez des conseils, merci. Et voilà, on restera sur ça,
sur ce, à la semaine prochaine.